Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sous Sophia TV 83. Si vous à peine branché, je suis content et pour continuer à vous informer. Jeudi, c'est 23 janvier 2023, un pile point à clôt pral débattu. Mais si vous pouvez faire ça, parlez sans vous pas abonner, restez connecté ensemble avec nous. Ou vous avez dans titre là, un pile information pour journée jeudi. Nous parler avec question insécurité citoyenne Delma 75 levé bien bonnet samedi 21 janvier ben yo joine yon machine yon corps sans vie dans Delma 75 Catalpa 3 où il faut c'était premier selon riverain yo à témoin c'est une tentative kidnapping qui mal tourné victime nan te gagné habillé tout de noir il était dans une machine Mac Ford couleur grise immatriculée yon ancienne plaque BB63559 machine nan te gan pile et pak cartouche souli selon un témoin qui t'a pris la té et attaque ça qui fait n'a noté victime nan te mouri à cause absence ambulance qui est pas de temps présent pour te conduire dans centre hospitalier pour capable prendre soin car elle t'a mérité plusieurs cas à mortalité à cause absence ambulance enregistrée mais ça qui est diminué chance pour le monde capable vivre lorsque les subi attaque armée. N'a toujours été dans affaire kidnapping puisque la situation lui-même li est très compliquée dans Cafoufeuille on apprend là gain nèg armé qui est posé la patte sous un pasteur dans zone si là on garde avec kidnapping dans centre-ville dans la rue tout ça c'est pas pile ça kidnapping nèg exam fait pendant week-end bandio qui pas chemin dans centre-ville Port-au-Prince surtout dans région métropolitaine Port-au-Prince là on est venu avec Zak kidnapping qui fait dans l'autre côté en pays à Jean Dian là gain pasteur Dinor Derival ensemble avec madame ni bandi kidnappé hier matin dimanche bien bonheur qui c'était 22 janvier 2023 zone savane pistache une localité qui trouvait là dans Cafoufeuille mais dans commune Port-au-Prince on dit bien selon information que qui rivé jeune là mais habitant qui dans zone ça c'est eux-mêmes qui est informé la presse concernant Zak kidnapping qui fait sous pasteur Dinor des rivales, le fait qu'on ait la ravisse au kidnappé, eux-mêmes, t'es son moto au 3 août, motocyclette 3 août, yo kidnappé, et pasteur Dinor des rivales ensemble avec madame Ni. Aksa, il est fait pendant que pasteur lui-même après l'église que lui-même l'a dirigé dans l'espace bien-aimé qui trouvait au quartier dans Savane Pistache. L'église dans zone ça, c'est là bandit armé est arrivé et kidnappé pasteur des noms des rivales que tout le monde connaît sous nom Gary Publicité parce que il gagnait sa relais mais machine que le compte publicité dans centre-ville Port-au-Prince qui donc c'est un personnage qui est très connu dans zone Savane Pistache mais bon nom pasteur c'est des noirs à des rivales que bandit kidnappé à toute madame ni hier dimanche 22 janvier 2023 dans zone savane pistache. N'a pas appelé zone savane pistache, zone des caillettes, zone impasse Eddy, mais c'est tout dans ça où la fois passée avec Axam, t'es envahi zone ça yo, qui te mette moun dans zone ça, on a beaucoup ri, côté où t'es obligé à prendre réfugio dans zone, dans lycée national Cafoufeuille, et c'est là qui t'es obligé à quitter zone en net. N'a pas appelé tout zone savane pistache, zone sa yo, ces zones nous songer que ancien, on dit, nek armé chef gang tigé, tape contrôlé en l'essa, et ces zones sa tout à la fois dernière qui te mette gros, laissé frapper gros couri, dans un cafoufé, qui donc, nek armé ravisseur kidnappé yo même, yo pas chemé, yo continue à commettre zaka kidnapping dans divers côtés en un pays. Après une sortie dans Delma 75, nous pensons cafoufé, mais de l'autre côté encore, nek armé yo même continue à commettre Zak terroriste sous population haïtienne. Nous parlons là lui avec homme d'affaires, ça tout le monde connaît son nom, Rodrigue Michel, qui kidnappé dans l'après-midi samedi 21 janvier 2023. C'est Nega Gozamlou qui kidnappé. Eh bien, Nega Gozamlou kidnappé lorsque le tape sorti dans l'entreprise li qui sous zone la lui, zone oui, elle vaille. Après kidnappé dans le rivière, dans la zone là, t'es entrepris une série protestation qui t'est visée, exiger libération homme d'affaires là. Te mette du feu dans le caoutchouc, mette wash sur route là avec l'autre objet pour capable empêcher circulation machine fonctionner normalement ça qui t'est paralysé circulation après yon l'année comme ça nèg exam t'est déjà kidnappé madame homme d'affaires là avec yon frère
otage ont été libérés après plusieurs jours lorsque l'été bail l'argent pour être capable libérer. Ben environ une année après l'été famille était victime de kidnapping madame la Kiofrel. Ben homme d'affaires Rodrigue Michel l'a kidnappé samedi 21 janvier dans la rue pendant le tapsoti dans l'entreprise. La police nationale d'Haïti mène en pile opération dans divers côtés en deux pays. Là, on apprend que la police a posé la patte, mettez mes nappes de cassave, quatre présumés et membres gang canarin. La police a arrêté au nom ville Gonaïve, département de la Tibonite, pays d'Haïti. Mais qui, Jean, individu, ça aurait l'air. Bibenseur César, alias Fantôme, qui t'a cherché en pile. La police a cherché, monsieur, t'as couché un fou, t'as cherché épingle, t'as cherché Zégui avec aimant. Gay Farah, Bernard, Judelet, Elie, avec Jean-Jacques, Exama. La police a arrêté quatre individus, ça au samedi, qui était 21 janvier 2023. Mais c'est agent, non, commissariat à Gonaïve, qui posait la patte sous quatre présumés, Andy Mandi Sayo, présumé Andy a tout fait Sayo, mais il a arrêté pour présumer implication dans divers actes criminels. Côté que, selon ça, la police fait qu'on est là, mais quatre moun Sayo, t'a gué bon rapport, cocodaï, zamitaï, avec deux gangs armés et cap opéré dans Canaran. Mais quatre individus Sayo, qui est fait partie de l'association malfaiteur, qui t'est sorti Cité Soleil, précisément dans zone Sarthe, yotal caché dans Gonaïve, d'après ça qui dit, bon côté Fos l'audio. Pour qu'on y a, selon ça, la police fait qu'on est, mais yo après réfléchi là des quatre murailles après prendre question autorité policière avec autorité judiciaire yo pour nous dire bien il y a répondre question SDPJ dans le département la Tibonite pays d'Haïti. On a toujours été avec arrestation la police fait gain quatre individus la police a posé la patte sous yo et puis la police saisit tout yo arme à feu dans Mirbalet. La police dans le département Sainte Paysa pour procéder à l'arrestation. Quatre individus mercredi passé. C'est Jean-Robert Anas qui gagne 23 l'année, qui sortit Lascaubas. Johnson Deck qui gagne 26 l'année, qui sortit Thomasic. Individu Sayo, un patrouille Udmo Mirbalet qui était arrêté. Bon, 8 ans, dans un lédier, dans un bus qui t'apprend li dans Thomasic. Jean-Robert Anas avec Johnson Deckley s'était arrêté pour tentative assassinat qui fait sous Kendall Basile qui a gagné 20 l'année Malfrayo qui a gagné en possession revolver calibre 38 pour capable voler moto victime là il était tiré sous lit à deux projectiles Zaxa il était fait 16 janvier 2023 dans zone 10 et failli après il était fin commettre Zaxa il était quitté corps victime là et puis il était rendu dans même soirée jusqu'à Belader dans l'idée pour capable porter véhicule là il était volé à ben Junior Boyoko ainsi connu qui était en complicité avec eux-mêmes dans le trafic objet volé. Bien bonnet, jeudi 19 janvier 2023, yon patrouille était rendu dans Belader dans l'idée pour capable procéder à interpellation en junior. Eh ben li couru sauvé avec un complice yo qui la police t'a arrêté yo mais c'est ça le capable en terme d'information côté la police a posé la patte sur quatre individus dans un Mirbalet. La police a poursuivi la cassée opération que le menait pas de week-end on apprend que dans cas d'opération qui menait par bureau affaires financières et économiques baf dans DCPJ dans Delma 75 yo posé la patte sur certains des Rubens Villemont. La police a arrêté M. samedi qui était 21 janvier 2023 suite avec un mandat de la guerre paquet porte-presse témété des citoyens ça pour présumer implication dans le cadre dossier l'église épiscopale d'Haïtien qui est pour avec question trafic d'armes à munitions suite avec arrestation citoyen ça il y a la caille monsieur la police a réalisé ça n'est les yon opération la caille citoyen même après fin arrêté là Rubens Villemont la police a cherché monsieur d'un coucher un fou pour diverses autres infractions. Divers lots à reprocher individu ici là, qui sont contre les banques, évasion fiscale et fraude fiscale, enrichissement illicite, blanchiment l'argent et association malfectée. Pour qu'on y a, pour vous, ça qui est le Rubens Villemont, les est placé dans garde à vue, direction centrale de police judiciaire des CPJ, a pas posé une question pour qu'on ait exactement ça reprocher citoyen ça, est-ce que les est vérité. Mais ça qui est sûr, certain, la police, dans l'opération qui a mené BAF, qui s'est entité en dehors des CPJ, arrêté Rubens Villemont, samedi qui était 21 janvier dans zone Delma à 75. Nous avons toujours été avec arrestation la police fait gagner un individu la police interpellé à ma feu cocaïne, l'argent, l'autre matériel la police saisie, c'est la police dans le département non payant narcotrafiquant notre Jixon Jacques alias Ezekiel qui vit dans Bavia sur localité dépendante commune Cap-Haïtien mais il est interpellé pendant une opération la police BLTS DCPJ dans
détachement nord qui mène dimanche 22 janvier à la Cali pour la perquisition. Mais force l'audio joindre la Cali citoyen ça. 200 grammes poudre blanchâtre assimilée à cocaïne testée est préliminairement positive. 1 kilogramme à 5 dixièmes paille sèche qui apparenté à marijuana qui testé préliminairement positive. Yon somme l'argent dans monnaie locale qui est évalué à yon montant 1 million 502 400 goudes. Yon somme l'argent dans dollars américains qui est évalué à 4741 dollars. La Cali, yon arme à feu, pistolet calibre 9 mm, yon chargeur 10 cartouches. Yon véhicule marque Toyota Forerunner 2014 grise, plaque AA23509. Et la police n'a communiqué ça. Noté qu'il y a un juge de persécution sud qui n'a pas ici quitté là pour être capable de faire constat légal. Voilà la situation lui-même qui paraît très compliquée suite avec ça qui a passé en deux pays là. Question Zach insécurité, Zach kidnapping qui peut suspendre commettre en deux pays. Nous allons finir avec information ça concernant des nouvelles la mort. Quatre policiers sérieux qui, alors trois policiers, une qui disparaît et on l'autre sorti blessé. D'après information là qui est ça qui arrive pendant le week-end dans la zone métivier, qu'une qu'on est, mais nég exam, y'a l'on j'ai droit sur divers groupes armés qui est contrôlé zone ça, qui est commettre action si là. Nous prenons venir avec information en concernant en si là, mais en on gardé ça à qui est réveillant. Côté que situation ça qui paraît très compliqué, nous on pral venir avec concernant information ça et nouvelle ça qui est choqué à pile monde les apprendre que nég exam éteint la vie et quatre policiers et trois qui mourent sous place, yon qui disparaît et on l'autre qui est sorti et blessé. Nouvelle salaire rivée dans un type dans oreille recommandement la police temps et jeune t'es déjà ben non yon pral venir avec nous mais c'est pral précision qui pral pouté en termes de détails. Bon côté responsable Sinapo qui c'est Lionel Laza, mais avant nous pral venir avec note qui sorti bon côté, alors communiqué qui sorti bon côté recommandement la police temps, mais on venir avec non en quatre policiers, alors trois policiers ça yo quatre là disons bien Optinal Gérald, 30e, qui fait partie de 4e promotion de la police, non? Nous joignons Luc Eliezer qui était fait partie 20e promotion. C'est juste du 15 24e promotion. Akatani Klas Wilken 23e promotion. Jean Dion, c'est quelqu'un parmi les policiers qui est victime d'une attaque embuscade. Nous avons fait son patrouille policière dans Pétionville, précisément zone Métivier. Mais côté situation, ça a été lagué en pile la peine, en pile la pérèse, en pile la glou dans mita policier Fred Damio. On a venu avec ça concernant la réaction qui fait à bon côté on dit autorité dans la police surtout recommande la police on a parlé de France LB qui lui-même qui a réagi qui parlait de situation ça de ça produit bon côté on dit policier mais pas oublier son situation qu'il a en pile la peine en pile la pérèse la caille policier mais suite avec question ça pas oublier information fait quoi que c'est à un un policier qui était dans une situation difficile puisque nous connaissons pendant tout le week-end un exam qui a décidé d'envahir diverses localités dans Pétionville, ça qui t'a metté un proche un policier qui est dans une situation difficile à le mettre en sachet qui contrôle la situation contrôle zone mais c'est là où prend un embuscade nèg armé qui a opéré dans zone si là mais notre qu'il y a avec assassinat à mes policiers ça dans Pétionville, la direction générale police nationale d'Haïti qui dénoncé une fois encore attaque qui fait sous un dit patrouille policier ça côté nèg armé avec un gros amnameyo attaqué et même éteint la vie et divers policiers et disparaître un policier et on l'autre sorti blessé dans attaque si là une fois que alerte à lui-même l'était lancé commandement la police tant les faire qu'on est là il prend toute disposition pour te voyer renfort hein pour te porter ben policier ça et habitant dans zone métivier qui était dans situation difficile malheureusement mais bandits qui prennent patrouille policier ça non embuscade qui la cause que 4 monde qui mourit et parmi 4 monde ça que 3 policiers et un chauffeur camion qui mourit dans zone si là un policier qui disparaît qui donc par contre il va être casse lui-même il va connaître qui côté le passé et
gen yon lot policier ki blessé grave et kap kan soin kal nécessité nan yon l'hôpital nan capitale haïtienne. Direction générale lan di il saisi occasion ça pour le souhaiter mais avec toute famille proche policier sa yo voye toute condoléances li bay parents amis et proches tout policier tout monde qui victime nan attaque ça précisément policier yo et toute famille yo ki yo même je dis à la qui touché par circonstances là nan occasion ça nan moment ça mais DG la police ça comme la police ça les renouveler engagement là bon côté population pour le déterminer pour continuer déployer tout effort qui nécessaire pour mettre bandits ça hors d'état de nuire pour lui permettre que la paix qu'établit en d'un pays et permettre que monde ta fonctionner comme ça doit d'après et ça qui dit et bon côté force l'audio n'a dit c'est pas première fois que la police a victime dans Kassar n'a rappelé dans village de Dieu comme en situation l'immunité c'était le 12 mars 2021 un songer n'a pas rappelé tout en l'air dans zone la boule 12 nous songer situation qui était gain en l'air ça et fois ça c'est dans zone Métivier localité ça qui trouvé dans commune Pétionville mais ça qui baille en pile problème dans mitan population dans mitan policier yo et dans mitan population haïtienne non situation ça qui baille la gapi la peine dans mitan chaque affreux dame en policier leur apprendre nouvelle syllabe. J'en ai déjà dit, nous t'étendons des informations concernant mes sacs passés dans la zone Métivier, dans Pétionville. Nous sautons des notes que la police a mis dehors dans l'occasion, dans la circonstance. Nous avons gardé ça, PM Ariel Henry, qui a rendu visite sympathie avec Andy, directeur général de la police, pour nous dire que la police, non, ça qui dit dans le cadre rencontre ça. Mais après attaque, en exam fait sous patrouille la police, mais visite sympathie. Réalisé par chef gouvernement docteur Ariel Henry, pas oublié ça. Ariel Henry, lycée chef CSPN, non? Conseil supérieur police nationale, non? Qui donc Ariel Henry lui-même, c'est lui qui en les commande à la police, non? Mais directeur général de la police nationale d'Haïti, France LB, qui est accompagné avec un membre recommandant la police à recevoir visite premier ministre Ariel Henry, et dimanche qui était 22 janvier 2023. Mais visite ça, son visite sympathique qui rentre par chef conseil supérieur police nationale, non? CSPN, j'en dis là. Avec un membre au commandement la police, non, suite à attaque meurtrière, ça veut dire attaque qui peut aller la vie. Et 4 mounes parmi eux, 3 policiers, yon citoyen, yon se fait camion, un policier disparaît et yon sorti blessé, qui fait dans la localité Métivier, dans Pétionville, nek armé avec un gros âme armé qui attaque un patrouille policière. Commissariat Pétionville, dans zone Métivier, mais attaque ça qui est poté aller la vie diverse dans la zone si là. Premier ministre Ariel Henry, lui-même, qui a adressé mot sympathie avec grande famille policière, ça veut dire avec institution de la police, non, mais en façon particulière avec parents policiers, ça y est, qui mourit et qui disparaît et qui sorti blessé et avec l'autre citoyen lui-même qui se fait camion ça tout qui est perdu la ville. On l'a fait PM nan qui est salié sans relais professionnaliste la CAE policier auquel mandé pour toujours garder et comportement ça pendant que lui rappeler yo mission yo c'est protéger accès vie la vie peuple haïtien chaque jour occupé. C'est ça qui dit dans le cadre de visite que PM Ariel Henry lui-même était réalisé sûrement et certain avant de quitter le pays hier dimanche pour participer dans le 7e sommet c'est là qu'a cap organisé dans le pays argentin précisément dans la ville à Buenos Aires. Je mettais sous même dossier ça une réaction Sinapoa Octi Gérald, 30e promotion. Luc Eliezer, 20e promotion. C'est juste Dukens, 24e promotion. Ak Stanislas Wilken, 23e promotion. C'est nos 4 policiers qui mourent dans l'opération. Ça, dans Pétionville, Pascal Guillaume, 31e promotion. Après l'hôpital, pas de opération planifiée pour zone ça. D'après responsable Sinapoa qui fait qu'on est Bakop qui est habitué à couvrir zone ça pour tenter mettre l'ordre. Les policiers arrivés au prendre embuscade face à plus passé une vingtaine de bandits. Syndicalistes ont proposé DGPNH. Le visité policier Pétionville, ça, déjà a été fait une tête collée avec le premier ministre. En côté Lionel Lazare pour plus de détails, nom que Jean-Philippe Massé. Et nous connaissons que il y a un événement qui était passé dans la commune Pétionville, côté que 4 policiers qui perdu la vie dans la zone Métivier, Doko, dans la tête de Pétionville. Nous voyons ces bâtiments, nous avons toute famille policiers, et puis toute famille, amis, policiers qui sont victimes. L'information, c'est que les policiers ont été
obligé à l'enlever parce que nèg yo te commencé à faire pile des gars bouler caï tuer moun piller business moun dans zone là puisque monsieur ça c'est eux même qui fait liaison avec zone ça ben là ont recevoir appel et bien yo te allé pour tal garder qui ça gagne voilà que nèg yo te au nombre de 20 et si me pas trompé dans trois machines et bien te gagne des trous te fouillé dans zone là nèg yo vinn avec matériel le boucher tout pour capable venir espace pour capable passer et bien les backup l'arrivé en l'air coup de zam marié et nèg yo prend en embuscade côté que yo tué quatre policiers et gagne un qui blessé. C'est de là que nous dénoncer au niveau Sinaboa. C'est que pas de opération vraie. C'est pas une opération qui était planifiée pour ta bataille en l'air. Et ça ferait que, ou après, t'es bien petit temps que t'es prêt pour te jouer un renfort. Parce que jouer un renfort, il pourrait demander de bataille là de façon, ça y est. Nous-mêmes au niveau Sinaboa, nous déplorons ça et nous souhaitons tout gagner en lumière qui fait par rapport avec ça qui passe là pour déterminer qui est ce monde qui était engagé policier ou qui était voué policier aller bien que me connaisse ces zones monsieur que lié yo té allé et pour te renfort par rapport avec monde qui est en difficulté dans zone là mais nous condamner ça et nous souhaiter gagner des dispositions qui prend dans un temps qui pas trop loin pour remédier avec les gens de situation ça et nous souhaiter que le directeur général de la police là pour le fond passage, pour le fond visite dans le commissariat Pétionville là, qui permet que le parle ensemble avec les policiers, remonter moral policiers, nous connaît que qui attaqué, qui affecté par rapport avec ça, ça passé. Présence directeur général de la police, elle a dit ça, elle voulait dire. Et nous, déplorer ça. Et nous, connaît que je dis à la balle vraiment difficile pour policiers, yo. Près de 8 policiers déjà perdu la vie, non, moins que 12 jours, c'est encore trop pour la police nationale d'Haïti. Et j'aime d'où la Sinapoa déplorer attaque ça. Et nous souhaiter que des opérations musclées et qui planifiées pour capable attaquer monsieur. Ça, c'est exactement déclaration Lionel Lazare, qui c'est responsable Sinapoa. Je ne dis là, qui est même c'est un syndicat qui en dedans la police, qui est toujours à garder dans quel niveau qu'à accompagner les policiers et surtout pour tes revendications pour les policiers. Je ne dis là, PM dans lui-même qui était visité DG la police dans lui-même dans le niveau direction générale. Et Lionel Lazare qui demandait avec DG la police, bien recommandement la police pour le faire font visite, arriver à remonter moral policier Fred Damio dans le commissariat Pétionville, mais n'apprennent tout. Information qu'une capable fait confiance, mais policiers qui étaient très en colère, les apprennent nouvelle et la mort de Frère Damio, il disparaît son policier, on Frère Damio, tout, et ça qui est blessé, il était très en colère contre un dit responsable police commissariat, ça qui était mis en pile chalet en dedans, commissariat Pétionville, et après nouvelle, la mort de policier et Silayo. On a toujours été avec Lionel Lazare, côté lui, fait qu'on est là. Il y a 8 policiers qui sont déjà tombés dans l'espace 12 jours. Situation ça a soulevé, collé en pile la police. Alors, responsable Sinapoa, Lionel Lazare, a demandé aux policiers, garder calme, été tête frette pour éviter certains politiciens utiliser dossier ça pour faire capital politique. Yo. En pile voice a pas circulé, en pile voix enregistrée qui a circulé sur tout réseau social yo pour exiger police lever campé dans la police tant qui est pas devoir et pas policier qui a fait travail ça selon Lionel Lazare qui mandé à Jean prend en pile précaution face à certains monde tout qui en dans la police tant qui a géré causé et personnel yo en côté Lionel Lazare qui a pris une deuxième fois dans le micro Jean Philippe Massé et puis moi même m'a pendé policier pour garder calme yo. Moi, je connais que ça qui passe à l'idée. Moi, je connais que ça qui passe à le faire au mal parce que c'est des collègues qui tombent dans les conditions que nous connaissons qui tombent là. Mais nous avons de prendre pile précaution tout parce que un paquet de monde qui a voué voice, qui a alimenté des débats, qui souhaitait que les policiers fassent des mouvements. Et par rapport à ça qui passe à grand pile dans le monde qui n'est pas policier. Parce que je dis à mon nom capable d'utiliser le téléphone. Fait qu'on est que ces policiers qui a parlé le voie message, le voie voice pour demander policiers camper. Et nous-mêmes, nous souhaitons que y ait des dispositions qui prennent pour on sait de bagarre pas répéter. Mais nous avons demandé policiers pour ne pas rentrer dans une série de sept côtés que des politiciens traditionnels parce que nous connaissons que en d'un coup de yo la police a des monde qui l'a pour ça. Chaque fois que combat qui passe dans la police là, ils ont toujours fait capital politique li, yo ensemble avec eux. En évitant ensemble de politiciens
qui ont même cap alimenté débat. Oui bagayo pas bon. Oui bagayo yo pas fait nan nom que yo doit fait. Qui donc c'est pour une raison tout pour quitter des politiciens à prendre tête yo pour permettre que forcer yo à faire des bagages que yo pas ta supposé faire. Nous gain institution nous connaît que gon paquet de problèmes vrai en dedans pays là qui donc sont pays qui presque pas dirigé rien. C'est normal, je vous dis à la, si la police elle a fonctionné à l'image du pays, si les institutions sont faibles, comment nous parlons, dès que pour la police a fort dans un pays, qui donc, nous demandons pour les policiers, oui, nous connaissons que ça qui passe à le faire au mal, ils pas bien digéré ça qui passe à, mais nous demandons pour garder calme, parce qu'il y a des informations que nous gagnons, il y a des initiatives qui comptent prendre, nous suivons pour nous.